L'islam, c'est quoi? Enfin, on peut rester toujours humain, croire en Dieu, croire à cet élément supérieur qui existe dans la vie. Mais c'est vrai, si on est partagé, s'il y a des divergences envers, sans connaître la religion, on va le défendre, c'est grave. C'est vraiment grave. Par exemple, cette dame-là, elle vient de dire, Monsieur Farid, c'est quelqu'un. Farid, je le connais mieux que toi. Même si toi, sa femme, même toi, si tu es sa femme, moi, Farid, que je ne l'ai jamais rencontré, je parle Farid de l'autre. Farid, je le connais mieux que toi. Pourquoi? Puisque comme quelqu'un qu'on a dialogué plusieurs fois, je vois, c'est un type honnête, c'est un type bien. Une fois, quand on était ensemble, après des années, sous l'entête, je lui ai posé la question. Lui-même, il a dit qu'il n'est pas musulman. Mais il défend les musulmans. Et ça, c'est gentil. Lui-même, il a dit qu'il est né musulman, mais il n'est pas musulman, il ne connaît rien de l'islam. Je lui ai demandé de lire un verset du Coran. Et il a dit que je ne connaissais pas, et même pas, il ne parle pas arabe. Alors, mais chaque fois, il est adorable, et il vient. Moi, j'écoute Farid quand il parle avec Morgane sur d'autres sujets politiques, et tu sais, c'est très intéressant. Mais seulement un conseil que je vais te donner, Farid, s'il te plaît. Laisse tomber Israël! Toujours Israël, 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 Israël. Laisse tomber l'Amérique. Il y en a beaucoup d'autres sujets dans la vie. Ah, ils sont très loin de nous. Ici, en France, oh, il y en a énormément de problèmes. Pensez à régler tous ces problèmes-là. Pensez à la France. Pensez à les problèmes qu'il y en a. Analysez. Donnez vos idées. On répète toujours. Non, c'est quoi? Pour ça, Farid, par exemple. Et moi que je connais le Coran par cœur, l'histoire par cœur, le judaïsme, christianisme, bouddhisme, n'importe quelle philosophie de Hegel, Descartes, Marx, je le connais, Avicenne, je le connais, les grands philosophes de Sohrawardi, Ibn al-Ghazzat, que vous ne connaissez pas, Ibn Khaldoun, tout ce que j'ai lu. Quand je dis quelque chose, ce n'est pas le marchand de tapis qui parle avec vous, mes amis, avec tous les respects que j'ai pour le marchand de tapis. Vous voyez, je vous raconte des histoires. Merci, merci de tous les messages de tout à l'heure sur l'anecdote de la création de l'islam que je vous ai dit. Allez-y, ça, écoutez 10 000 fois. Écoutez 10 000 fois ce que je vous ai dit et ce que Farid, numéro 2, il vient de vous dire, rajouter l'histoire de M. Abou Bakr, qui moi, je n'ai pas voulu dire ça encore, puisque je savais, vous l'avez jamais entendu, tout ça pose des problèmes. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous, on est arrivé à la fin de mon émission. Je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour vous toutes et tous. Je ne suis pas comme certains parmi vous, qui dès que vous voyez quelque chose qui ne colle pas avec vos dogmes, tout ça, vous... voilà. Non. Moi, je vous aime toutes et tous, parce que j'aime l'humanité. J'aime l'humanité. Et je sais que tout le monde ne pense pas pareil. Tout le monde n'a pas la même valeur dans leur tête. Il y a une partie des gens qui ont déjà des ennemis dans leur tête. Ah, c'est sûr. Ce matin seulement, j'ai dit la dernière chose. J'ai un voisin et il y a deux vendeurs dedans. Les deux sont musulmans. Il y en a un le matin, l'autre après-midi. Ce qui est le matin là-bas, chaque fois quand je le vois, il est gentil, il est formidable. De temps en temps, il faut entrer dans la boutique, il y a un thé et tout ça. L'autre qui est l'après-midi. Cet après-midi, j'étais allé chercher quelque chose et acheter quelque chose. Ça coûtait 100 euros. Dès que je rentre. Seulement puisque je ne sais pas si vous savez, non, moi je mets un chapeau sur ma tête. Hein, puisque seulement j'avais le chapeau sur ma tête. Déjà, il a pris trois personnes avant moi. Et bon, après, à la fin, quand je parle avec lui, il regarde le toit. Et à la fin, quand je vois quelque chose qui est devant lui, il dit que je ne l'ai pas. Et ça ne va pas coller. J'ai compris que ces deux personnes. Je vous ai dit l'histoire de couscous. Maintenant, prenez bien aussi l'histoire de deux vendeurs. Dans la même boutique, et je vous assure que c'est la vérité, je ne plaisante pas, je n'invente pas. Deux personnes dans la même boutique, 100% différents. Seulement dès qu'il me voit, David Abbassi, l'après-midi, il ne veut même pas me vendre quelque chose, mais l'autre, et le deux, c'est des musulmans. Mais vous soyez toutes et tous de celui qui est le matin dans cette boutique. Je vous embrasse. Je vous dis au revoir, mes chers amis. À lundi. Bye.